Le Gabon et la Banque africaine de développement mènent une action coordonnée en matière de planification et de réalisation des projets pour le développement du pays. La Banque africaine de développement est le premier partenaire technique et financier du Gabon. Nous avons actuellement un portefeuille d'environ 850 millions de dollars dans des domaines aussi divers que l'agriculture, l'employabilité des jeunes, les infrastructures, et c'est des domaines très important, prioritaire pour les plus hautes autorités gabonaises telles que ça. Au sortir de cette rencontre avec le ministre gabonais des Affaires étrangères, le nouveau représentant pays de la Banque africaine de développement a indiqué que les priorités d'investissement restent en accord avec la volonté des dirigeants du Gabon. L'agriculture et l'employabilité des jeunes intéressent la BAD. La priorité que nous avons, nous, en tant que groupe de la Banque africaine de développement, c'est celle en fait du gouvernement du Gabon. Nous avons un parfait alignement entre les priorités de la BAD et celles du gouvernement. C'est le développement de l'agriculture, c'est la promotion de l'employabilité des jeunes, puisque comme vous le savez, la création d'emplois constitue une priorité vraiment pour les plus hautes autorités gabonaises. Et nous avons en tout cas mobilisé tous nos instruments, tous nos financements pour pouvoir accompagner le gouvernement à réaliser cette noble ambition. L'autre domaine important que nous avons au Gabon, c'est les infrastructures. Partenaire au développement, l'agenda de la BAD pour les 5 années à venir est en cours de planification.